Mais oui, on ne m'entendait pas, je n'avais pas activé le micro, mais quel homme! J'étais justement en train d'expliquer que c'était complètement à l'arrache, pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, même si je dis tout le temps que c'est à l'arrache. Et c'est pour une deuxième raison aussi que c'est à l'arrache, c'est parce que je teste le nouveau OBS Studio, qui est la nouvelle version d'OBS. Avant, il y avait OBS qui est Open Broadcaster Tools. Software, sinon ça ferait OBT, qui en fait est un logiciel de live qui est le concurrent de, comment ça s'appelle, XSplit, qui est le concurrent open source de XSplit. Et celui-ci, en fait, il était ça faisait longtemps qu'il n'était pas mis à jour sur la version normale, et c'est parce qu'ils sont en train de faire une nouvelle version qui s'appelle OBS Studio et qui est multiplateforme. Et qui à l'époque ne faisait pas grand chose, mais qui maintenant marche super bien. J'ai mis ça en place en 25 minutes, mais donc du coup c'est un peu le bordel, parce que je connais pas bien encore les trucs, et c'est possible que ça crache et tout. C'est une bêta, on est en version 0.14, donc c'est même pas une version 1. Et j'ai mon chien qui me saute dessus. Et donc du coup c'est un peu à l'arrache, et je n'ai pas tout devant moi aussi, j'ai pas de deuxième écran. C'est ça qui est chiant. Donc j'ai le deuxième ordi qui est là, mais j'ai pas de deuxième écran, donc du coup je peux même pas savoir, parce que, alors, faut savoir que pour ceux qui connaissent un peu Twitch, c'est un peu la merde pour trouver certains trucs. Et bien sûr Canine, mais vas-y, mais bouge les lumières, je te dirai. L'autre, il va choper son jouet qui est pile sous la lumière. Et par contre, avantage d'OBS Studio, c'est que le fond vert marche nickel. T'as juste à dire, voilà, je veux rajouter un fond, il est vert, et il se démerde tout seul, quoi. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a une ou deux personnes, je ne sais pas. Au moins, on me dit une, mais il y a deux personnes sur le chat. Donc, c'est pas possible qu'il y ait qu'une seule personne qui regarde, ou alors quelqu'un a décidé de chatter mais n'a pas du tout de truc. Normalement tout est en place, y compris les fameuses Twitch alertes qui sont plutôt pas mal. Ce petit truc qui s'affiche là, qui dit ouais, dernier follow, machin et tout, c'est cool. Donc j'ai qu'un seul écran. Et on va se jouer un peu à The Witcher 3, parce que il serait temps que je reprenne ce jeu. Alors comme vous voyez, je suis en plein milieu d'un combat. Quand je recharge la sauvegarde, je suis là, en plein milieu d'un combat avec plein de gens. Et je me fais démonter la gueule par tous ces gens. Je ne sais pas qui ils sont et qu'est-ce que c'est et pourquoi on est là. Je me souviens plus du tout, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'ai aucune idée de pourquoi c'est ça. Alors déjà je me souviens pas des touches, et en plus de pas se souvenir des touches, je recommence en plein milieu d'une baston. Donc ça va être complètement compliqué. Donc là je vais me laisser mourir de toute façon. Et on va reprendre, et je sais plus du tout. Apparemment faut que je tue les hommes du petit bâtard. Donc on va faire ça, je chargeais la sauvegarde la plus récente. Le son est un peu faible de mon côté, c'est vrai, c'est pas faux. Il y a une histoire de son que j'ai pas réglé, attendez. Hop, on va régler le son. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Alors le truc c'est que je peux pas monter le son général. C'est possible que je puisse le monter, mais je sais pas comment on fait sur ce truc. Donc je peux baisser le son du jeu. Ce que j'ai oublié de faire, mais je ne sais pas comment faire pour monter le son général. Alors, je peux éventuellement monter le son. Alors, si je peux faire un truc comme ça, genre je mets, je sais pas, 300% ici, et là je mets 200%. Franchement, ou 100%, je sais pas, je peux régler le pourcentage de volume, mais je vois pas trop en fait comment ça marche, donc c'est pas super clair. Je sais, mais je connais pas du tout en fait OBS Studio. Je l'ai découvert il y a 1 heure, donc et là j'avoue que j'ai pas trouvé comment augmenter le son général du stream, le son de tout le stream. J'ai regardé partout dans audio, etc. Je vois pas où est le truc, donc je pourrais pas monter plus que ça, je pense. Mais bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. C'est mieux, pas top, mais mieux. D'accord. Alors. On commence comme ça. Alors voilà, alors le truc qui est rigolo, c'est que je dois me battre contre tous ces gens. Et il y en a un qui m'a fait très très mal. Et je me souviens, mais absolument pas des touches. Donc c'est vraiment pas pratique. Vous voyez, là j'ai des trucs qui peuvent me redonner de la vie et tout, mais j'ai aucune idée de comment on les prend. Peut-être que je ferais mieux de regarder les touches. On perdrait moins de temps.
Alors attendez, configuration des touches. Verrouiller la cible, d'accord. Ça je m'en souviens à peu près, donc ça c'est pour courir, on s'en fout. Il y a Alt normalement qui permet de... Voilà, d'esquiver, Alt, espace, d'accord, donc ça c'est bon, je me souviens. Et alors, utiliser un raccourci d'objet, bouton central, ok. Et lancer un signe Q. Q ? Mais si je fais Q, comment je fais pour me déplacer ? Attendez, j'ai un peu... Plonger, c'est C, donc déjà faut que je m'en souvienne. Q pour lancer un objet, mais comment on fait alors pour aller à gauche, droite, machin, etc. Enfin, se balader, quoi. Je me souviens pas. D'accord, bon, et ben, on va tenter. On va encore faire un coup pour rien. Q, mais non, Q, ça me fait me déplacer. Ah oui, d'accord, mais je me suis fait tuer tout de suite. C'était un Q ou c'était une autre touche? Je ne sais pas. Est-ce que le son c'est mieux? Genre mieux vous m'entendez ou mieux on entend à peine? C'est ma question. Je me suis fait un thé, j'ai voulu le boire juste avant de commencer, oui. J'ai failli me brûler sur la tasse, donc c'est pas forcément l'idéal. J'avoue. Se brûler, c'est pas cool. Donc, alors je comprends pas Q, ça peut pas être Q. Ça peut pas être Q, vu que Q c'est pour me déplacer. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Je vois pas pourquoi le jeu me dit Q. Ah, attendez. L'équilibre entre la voix et le son du jeu est nickel. Ok, bah je m'en souviendrai. Configuration des touches. On est d'accord que là il y a marqué Q. Ça peut pas être Q. Ou alors c'est A. Ah d'accord, oui. Verrouiller la cible Z. Ok, d'accord, c'est inversé. Donc en fait c'est A et Z ici. On est sur des commandes de je suis. Alors mais par contre, on est bon. Ok, donc là il y a un chien, j'aime pas les chiens. Quand ils me font mal comme ça. Hop. Donc ça veut dire que pour lancer un signe, je fais ça en fait. D'accord. Et ça c'est pour plonger. Mais là j'ai rien à. Je peux pas plonger en fait. Donc, voilà. Les gens ils ont mal. Je sais que c'est un peu. Voilà, on commence pas tranquille, on commence direct au milieu d'une baston. Bon, quelque part ça fait de l'action, mais. Alors, j'aimerais bien utiliser un objet, c'est comme ça. Non, pas du tout. Je sais pas du tout comment on fait. C'est con parce que utiliser cet objet me sauverait peut-être la vie. Voilà. Non, alors je ne sais pas. Parer, contre-attaquer. C'est vraiment le live de l'arrache. C'est vraiment le live de l'arrache. Mais en tout cas, je suis très content de cette installation de fond vert. Parce que ça va, ça a été assez simple à configurer. Au début, ça marchait pas du tout avec l'ancien OBS, mais avec le nouveau, ils ont... ils ont deux types de trucs. Ils ont couleur pour incrustation, qui est exactement comme l'ancien, qui marche pas du tout. Et ils en ont un nouveau qui s'appelle clé chromatique, qui est le nom en général de les chroma keys, la façon dont on fait les fonds verts. Et là, ça marche vachement bien. Pourtant, les paramètres possible de rentrer, c'est exactement les mêmes. Donc c'est juste une différence d'algorithme et la différence elle se voit énormément. Alors attendez, je vais juste essayer de comprendre comment je changer de signe molette de souris, d'accord. Utiliser un raccourci d'objet. Non, il doit bien y avoir un autre moyen. Consommable, voilà, RF. C'est comme ça. C'est un Michael Bay start. On commence par hop. Excusez-moi, pourquoi personne a pris feu alors que je viens de balancer des flammes à tout le monde? Et pourquoi là quand je vois de l'eau il se passe rien? Je me suis fait tuer encore plus vite qu'avant. Mais c'est quoi ce délire? J'ai pas compris.
On a Kish sur le chat qui. J'avais pas compris ce que c'était, je me demandais en fait qu'est-ce que c'était que ce smiley, mais qui envoie le smiley du Lord Helix en fait avec le coquillage. Référence à Twitch Plays Pokémon. Non, alors il y a un truc que j'ai pas capté à un moment donné. Déjà, si je pouvais ne pas mettre de l'eau, parce qu'apparemment l'eau c'est pas du tout efficace pour regagner de la vie. Si je pouvais changer mes objets, alors je sais plus comment on fait, je crois que c'est I pour l'inventaire. Oui, c'est ça. Alors, consommable, 20 secondes durée effet régénère la vitalité. Est-ce que j'ai mieux à manger? Je sais même plus comment sont rangés les objets. Alchimie, artisanat, objet utilisable, c'est là-dedans. 10 secondes. Ouais, mais alors le truc, c'est qu'ils ne disent pas qu'est-ce qui régénère le plus. Mais je pense quoi, quand même, tu vois. Le jambon ou la cuisse de poulet, c'est plutôt pas mal à mon avis. Jambon est plutôt pas mal. Alors ça, je sais plus comment on utilise les bombes. C'est con parce que ce serait pratique. Ça, c'est des huiles contre les hybrides, je m'en fous. Ça c'est pas mal en général, le jus de pomme régénère la vitalité. Je sais plus du tout qu'est-ce qui est efficace. Alors sinon, est-ce qu'on a des trucs? Witcher 3 c'est un die and retry. Non, c'est pas un die and retry, mais j'ai pas joué au jeu depuis 3 mois et même plus que ça je pense. Et on atterrit sur une scène où il y a 12 000 personnes à tuer. Une escalope de peur grillée. Alors, en fait, ce que je veux voir, c'est si j'avais une potion de. Non, j'ai aucune potion qui me régénère de la vie, j'ai l'impression. Non. Ça pourrait être pas mal, cela dit. Je crois que je viens de la bouffer. Non, je l'ai échangée. Là, j'en ai pris une. Ok, on va le tenter. On se concentre. On se concentre. Parce qu'en fait, c'est un jeu où il faut se concentrer pour jouer. Non, c'est mal parti. Ah, mais toi, t'en as rien à battre de mourir, de te faire cramer la gueule en fait. Et je me fais démonter, merde! Ça suffit! Est-ce que je peux me barrer par là-bas et... Ah oui, non, mais il y a des gars, mais partout, quoi. Ah, c'est un cul-de-sac. Je ne le voyais pas dans l'ombre. Prends le jambon. Non mais en vrai, vous voyez, le jambon en fait, et enfin le jambon ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai plus d'épée de sortie ou quoi? C'est pas possible! Ok, donc là c'est encore un cul-de-sac. Le jambon, etc., il me redonne de la vie, mais pour 10 secondes seulement. Donc en fait, faut vraiment que je les dose. Et le truc, c'est qu'il me redonne de la vie progressivement. Alors que... mais en fait, je suis vraiment enfermé là. Alors que moi, je perds de la vie d'un coup. Et là, je ne vois absolument pas qui m'attaque et je ne sais même pas où je vais parce que je connais pas les lieux. Et franchement, on voit rien dans ce jeu, j'avais oublié. Hein. Ah oui, d'accord, mais en fait, ça tourne. Ok, mais j'ai changé de signe, je me souvenais même pas. Je sais même pas où ils sont affichés, le hard. Je me souviens pas des... Ok, donc ça, c'est un truc qui les fait reculer. Je me souviens plus de comment marchent les trucs. Axie, il me semble que c'est le feu. Ah non, Axie, c'est la confusion. D'accord. Igni, c'est le feu. Là, y'a personne qui vient par là. Come
Ah mais lui il a un putain de bouclier en fait. C'est pour ça qu'il me fait mal. Je vais crever. J'avais pas vu, mais je vais vraiment crever là. Je crève. Putain, voilà. Alors, j'ai juste. J'aimerais bien que les autres viennent pas m'attaquer le temps que je comprenne ce qui se passe. Alors, déjà. On va manger une escalope grillée. C'est pas comme ça qu'on fait. Putain, je connais pas les touches. Comme ça. On peut pas la manger comme ça. Si, voilà. Est-ce que... Alors le truc c'est que vraiment ça me donne une durée d'effet. C'est pas un truc de ouf. Enfin c'est pas immédiat quoi. Contrairement aux potions en fait. C'est ça l'avantage des potions. De l'eau. Bon bah de l'eau alors ça a l'air pas mal l'eau. Ça c'est quoi? Des notes mystérieuses, on s'en bat la race. Ok, donc là c'est bon, ma vie remonte fortement et sûrement. Pendant que... Ah tiens, il y a un nouveau Twitcher qui paraît sympa. Pourquoi? Mais t'es déjà venu plein de fois Damien, pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Je vais juste reprendre un peu de vie, tranquillement. Vous savez ce que je vais faire aussi? Je vais sauvegarder la partie. Comme ça, on la reprend ici. Et pas... Et pas en plein milieu du combat. Alors, je regagne un peu de vie tout seul, cela dit. Mais j'en regagne plus quand je fais ça. Alors... C'est comme ça pour gérer les trucs. Alors les bombes, je ne sais plus comment on les lance. C'est vraiment pas pratique. C'est quoi ça? Inflige une quantité de dégâts modérés de feu. Oui, donc ça c'est mieux. Ruche. Mais je ne sais plus comment on fait. Ça m'a crispé. Ça m'a crispé ces combats. Ces combats d'entrée comme ça. C'est bien parce qu'ils viennent pas m'emmerder, hein. Ils viennent pas, hein. Est-ce que je peux réussir à utiliser ça? Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Merde, il vient. L'homme qui ne voulait pas se battre. Mais... C'est quoi cette technique de pleutre? Dit-il alors qu'il vient de se cacher pendant 5 minutes. Un petit peu plus d'eau s'il vous plaît. Ok, donc ça c'est fait. Alors par contre, je suis sur quelle épée? Parce que c'est ma question aussi. Parce que en fait, il faudrait que je prenne mon épée en acier, voilà, parce qu'on est contre des humains et pas contre des méchants vilains pas beaux au niveau du monstrage. C'est pas des monstres en fait. Comme c'est pas des monstres, alors je vais juste reprendre la ruche. Ok, je l'ai lancé beaucoup trop loin. Et j'ai plus de ruches en plus. Bon, on va prendre celle-ci. Et c'est quoi au niveau du... Alors, feu, protection. Kin. Ok, donc déjà, on va faire ça. Hop. Petit bouclier de protection. Dégâts de feu. On y va. Bah, dis donc. Ça, c'était mon bouclier de protection qui a pété, en fait. Ok, c'était vraiment de la merde. Je suis vraiment pas bon là. Il faut que je me calme. On n'est pas sur un jeu bourrin. On est sur un jeu qui se joue petit à petit. Come on, have him closer.
comme ça. C'est, on est vraiment sur un jeu en fait. Ah mais d'accord, mais il me tire des trucs à distance ce bâtard. On est sur un jeu en fait où il faut anticiper les mouvements et faire comme ça, comme je viens de faire. C'est-à-dire pas bourriner et en fait attendre et balancer des petits coups comme ça. C'est-à-dire pas ce que je fais derrière en fait. Putain, mais il me saoule lui à m'attaquer à distance là-bas. Le mettre un peu plus loin comme ça. Mais non, il peut toujours m'avoir de là. Non mais là on n'est pas du tout dans le didacticiel, même si je sais que c'est une vanne. On doit être à un tiers du jeu, donc l'autre il ressort carrément son épée quoi, tellement je me bats pas. Tu veux pas venir? Parce que sans que tes potes puissent Est-ce que si j'en prends plusieurs ça marche mieux? Non, pas trop. J'ai l'impression que je viens de dépenser de l'eau pour rien. Mais je fais de la merde. En fait, ce que je voulais faire depuis tout à l'heure, c'était ça. Nique ta mère. C'était ça. Non, pas ça. Je sais pas ce qu'il va envoyer, mais il a dit couvrez vos yeux, c'est pas bon signe. Je crois que l'eau, c'est pas du tout efficace. Mais venez, pourquoi ils viennent pas aussi? Ils ne viennent pas du tout. En fait, ils sont cantonnés à une zone et... Et quand je dis cantonné, je parle pas du rythme. Ok, je suis encore bloqué dans le putain de... C'est vraiment très énervant ce truc là. D'être bloqué comme ça. Et franchement, je vois pas grand chose dans le jeu. Est-ce que je peux juste me permettre de... Parce que je vois pas le bout du couloir en fait, donc... Est-ce que au niveau de la vidéo je peux pas configurer un truc genre le gamma ou une connerie comme ça? Non. On est en quoi comme configuration d'ailleurs? On est en moyen, ce qui est très bien pour un stream. Il n'y a pas de qualité de l'éclairage. Non, c'est la qualité, c'est pas. Non, mais je sais pas où c'est, tant pis. Mais je ne vois rien personnellement, je ne sais pas vous, mais. Et je me prends des trucs dans la gueule. Et j'ai même plus ma vie qui s'affiche. Ça arrive, hein, c'est quand... Quand il estime que c'est pas nécessaire. Il t'affiche pas la vie. Il me semble. Ou alors c'est qu'il est bugué. Ou alors c'est que je l'ai viré sans faire exprès. Dans vidéo, j'ai vu qu'il y avait un truc ajustement de l'ATH. Non, ça c'est pas ça. Taille de l'ATH grande, machin. Afficher la carte, afficher les PNJ, afficher les machins, afficher la jauge de souffle. Jauge de vitalité des adversaires. L'endurance du cheval. Non, mais c'est marqué en fait. Tu vois la balette. Enfin, le gars qui tire à l'arbalète. Pas trop. C'est-à-dire que je le vois en fait. Quand je suis comme ça, je le vois. Quand je suis comme ça, je le vois plus du tout. Mais je vois qu'il y a un gars, effectivement, qui doit avoir une arbalète. Le gars qui est au fond, là, qui est à gauche. Qui va me tirer dessus. Ah, il me tire pas dessus. Je n'ai mis en feu personne. Je suis vraiment l'homme qui fait des attaques qui servent à rien. Donc maintenant, on va arrêter de casser les couilles. On va sauvegarder quand même. Merde. On va sauvegarder par précaution. Impossible de sauvegarder pour l'instant. D'accord. C'est quoi? On va aller sauvegarder là-bas alors. Là où il n'y avait pas de danger. Pas me laisser engueuler par un jeu. On va sauvegarder, c'est tout.
Hop, sauvegarder la partie. La musique a changé, ça devrait marcher. Ouais. Ah mais toi tu le vois nickel, donc en fait ça viendrait des réglages de mon écran du coup, si toi tu le vois. C'est pas les réglages du jeu. Faudra vraiment que je revoie les réglages de l'écran. Alors on va juste prendre ça et ramasser un peu tout. Est-ce que tu peux sortir ton épée, Geralt? Il s'appelle Geralt. Donc là, bouclier de protection, je crois que je l'ai déjà fait. Dans le doute, on va le refaire. Irden, on s'en fout. Igni. Et ben voilà, on coupe des têtes. Là, on est bien. Oula, on est moins bien. Là, faut vraiment que je reprenne mes réflexes. Hein. Et là, on a coupé un bras. On est pas mal. Ramasser un peu toute la merde qui traîne. Ah, en plus, il y a un objet rare ici. Alors, par contre, je vais pas trop ramasser parce qu'ils sont beaucoup quand même. Et au bout d'un moment, je pense qu'il va me gueuler dessus, qu'il va me dire qu'il y a trop d'objets. Juste aller ramasser ce qu'il y avait là-bas. Que j'ai pas ramassé. Putain, je ne vois vraiment rien. C'est perturbant. Chercher des informations sur le petit bâtard. J'imagine que je viens de les récupérer vu que ça clignotait, mais sauf que je le vois pas. Et je sais plus comment on change les focus des quêtes. Est-ce que c'est pas ça? Pas du tout. Ça, c'est pas ça. Mais je peux pas le faire ici, je sais pas ce que c'est, mais... Ah, c'est V. Donc, tuer les hommes. Il y a encore des hommes à tuer, apparemment. Par ici. Ah, mais les informations sont là. D'accord, j'ai récupéré la clé, en fait, tout à l'heure. Donc, lisez les documents que vous avez trouvés. On va le faire tout de suite. Hein. Prends 30 secondes et rentre dans le menu de ton écran. Non, oui, c'est pas faux, parce que j'ai un peu du mal, là. Standard mode, theater mode, game mode, night view mode. Ah, je vois beaucoup mieux, là. J'ai pas envie de passer non plus dans les scenery mode. Standard mode. Ah, d'accord, il était en theater, je crois, en fait. Donc, en theater. Donc, en mode on t'assombrit toutes les couleurs pour que tu regardes. C'est marrant, je l'avais pas remarqué avant de lancer ce jeu. Là, je vois beaucoup mieux. Genre, là, je vois qu'il y a un cul-de-sac, alors que tout à l'heure, je le voyais pas. Ah, d'accord, mais il y a vraiment des mecs partout, quoi. Je vais sauvegarder, hein. Disons que je me suis tellement fait chier avec. Ah non, c'est bon, j'avais déjà mon épée. Bonjour, vous brûlez. Ah, je fais de la merde. À noter, je fais de la merde. Je fais de la merde. Dès que je veux y aller en bourrin, de toute façon, je fais de la merde. Là, j'ai ouvert un truc que je devais pas ouvrir. Ça marche beaucoup mieux le pain que l'eau, hein. Passer sur Keen, le temps de faire ça, hop. D'accord, et c'est que si je me prends l'arbalétier à chaque fois, ça va pas le faire. Tiens, tu veux pas me suivre, sbire du petit bâtard? Il est mort. Alors, en fait, le truc, c'est que pour lui, je suis un peu con, je devrais faire ça. Mais putain, il me fait chier l'arbalétier. Le truc, c'est que je vais pas crever parce que l'autre il m'envoie une flèche, quoi. Il vient de tuer son pote. Mais il est con, l'arbalétier. Et il a tué son pote. Et pourquoi faire? Ah, je viens d'éteindre une torche. Le truc qui ne sert à rien. Mais pourquoi faire? Ça m'arrange, hein. C'est un gars relou avec un bouclier, donc tant mieux. Trouver le casino du petit bâtard, ça on s'en fout. On va d'abord aller lire le truc que je viens de récupérer. Je n'ai aucune idée de la quête que je suis en train de faire. Je sais même pas ce que j'ai récupéré. Ça doit être un objet de quête ou une connerie comme ça. Objet utilisable peut-être. Non. Normalement il y a des... Ça doit être ça, mais j'ai dû le passer. C'est ça, message d'Igor.
C'est ça. C'est ça. Mais du coup, je l'ai pas lu. Alors, message d'Igor. Vu qu'il y a récemment eu des malentendus à propos des objets de valeur et que du sang a été versé sans aucune raison, j'aimerais vous assurer, tout l'argent est à l'abri dans le coffre. En fait, il s'appelle Igor, donc pour suivre les clichés de la vie réelle, donc ça marche pas dans un jeu, mais on s'en fout. Igor est russe, donc je devrais dire l'abruti qui pensait qu'il avait disparu cherché au mauvais endroit. Suivez le coffre qui conduit au niveau supérieur de l'arène. Suivez le couloir, pas le coffre, je ne sais pas lire. Tournez-vous dos à la grille et regardez le mur en face de vous. Si vous savez vous servir de vos yeux, vous trouverez ce que vous cherchez. Permettez-moi de préciser que nous n'avons pas touché au courant du petit bâtard et qu'il ne manque pas une seule pièce. Je jure sur ma propre tête que l'argent est à l'abri en attendant qu'on aille le chercher. D'accord, donc il y a plein d'argent à un endroit. Je ne sais pas pourquoi je fais cette quête. Je ne me souviens plus. Je crois que je cherche un pote à moi. Et qu'il s'est fourré dans une histoire de merde. Il me semble que c'est ça. Après, il y a peut-être un... Il y a sûrement un journal de quête, hein, quelque part. Je sais plus comment on fait. Quête. J'en suis où, là? Enquête du petit bâtard. Aidé par la précieuse Priscilla, ah non, là, je cherche ma fille. Geralt découvrit que Ciri, c'est ma fille, et votre serviteur avait conclu un marché avec le petit bâtard. Et votre serviteur... Je sais pas. L'un des quatre ponts de la pègre de Novigrad. Le chemin semblait tout tracé, obtenir un odeur de l'un. Lui demandait poliment comment me retrouver. Hélas, rien n'est jamais simple à Novigrad. Et les apparences sont parfois trompeuses. Je crois qu'il y a moyen de le faire sans se péter la gueule, sans passer par le mode baston. Mais sauf que là, c'est mort. Trouver un moyen à l'aide de vos sens de sorceleur. Alors, le truc, c'est que pour utiliser mes sens de sorceleur, je ne sais plus comment on fait. Je crois que... Non, ça s'est appelé le cheval. Pas ça, les sens de sorceleur. Ah, c'est marqué, maintenir. Comme ça. Il y a un mec mort ici. Il y a un cadavre, pourquoi? Pourquoi il y a un cadavre ici? J'ai dû tuer quelqu'un. Mais, sauf que en fait, il veut absolument... Ah, voilà. Un sandwich au poulet. Donc c'est dans le coin, mais où? Donc ça, c'est une torche. Peut-être à l'endroit où il y avait le type mort. Ah, il y a des trucs là-bas. L'introuvable. Lol. Enflammé, non? Pourquoi j'enflammerais une torche? Bonjour. White-haired one. Them Temerians, cowards all, fled across the Pontar. Ok, mais en fait, peut-être que je devais pas rentrer là-dedans. Non, parce que je suis plus dans la zone là. Par contre, là, il y a des trucs. Mais je ne sais plus comment on les utilise. Le Tain et le Romain, l'endroit le plus chaud de Novigrad. Il y a mes voisins qui font un de ces bordels. Ils sont en train de... Ah, c'est peut-être ça. C'est quoi ça? Pas de table chimique, ok. Non, c'était pas ça, mais bon... on va prendre des trucs, hein, tant pis. On atterrit où quand on va là? Pas au bon endroit, d'accord. C'est un point. D'habitude, c'est plus simple que ça. Hein. Là, c'est un peu plus galère. Ça doit être par là. S'il y avait un gars mort. Ah, bah, c'est pas par là? Non, ça, c'est une fenêtre. Est-ce que je dois prendre en compte ce que j'ai lu avant? C'est-à-dire que je l'ai lu en diagonale et que j'ai pas. Enfin, je l'ai lu en diagonale. J'ai lu. Sans faire gaffe exactement à ce que je disais, donc du coup je ne sais pas du tout ce qui se passe. Attends, c'est dans quoi? Ici. Ah mais elle y est plus. Ici il est là. Certificat. Il déclare par la présente que le porteur de la combat de... D'accord. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à... Vous trouverez machin.
Suivez le couloir qui conduit au niveau supérieur à l'arène. Tournez-vous dos à la grille et regardez le mur en face de vous. Je ne sais pas où est l'arène. Je sais pas qu'est-ce que c'est l'arène d'ailleurs. Une citoyenne pauvre qui pleure. Ça s'ouvre ça ou pas? Verrouillé. Ah oui, mais ça se trouve, il faut. Okay. Bon, écoutez, on va faire autre chose parce qu'on va pas y passer notre vie. Tant pis. On va aller faire l'autre. Allez, je regarde un truc. Non, non, elle est bien. D'accord. Mais sauf que. Je sais pas. Bon, je vais faire celui-là. Ça me paraît un poil mieux. Un poil mieux. Un poil plus simple. En plus, on a un temps de chargement. Why are you even here? Same reason anyone comes here. Play a bit, have a good time. Invite only, mate. Shit out of luck. Alors, voici mon invitation. Je crois que vous allez me laisser passer. Je vais entrer, que ça vous plaise ou non. Alors, je vais faire ça parce que ça me permet d'augmenter la compétence, je crois. Oui, ça me file des points d'expérience. C'est en fait, c'est le contrôle mental. C'est un petit peu un Jedi, Geralt. Et, wish me luck. Le truc qui provoque les confusions tout à l'heure, c'est la même chose que ça. J'enregistre pas du tout, hein, donc ce live, ça se trouve, il sera jamais rediffusé. Revendeur de drogue. Voilà. Owner in? Something I gotta talk to him about. I'm all ears. Je vais parler au. Je vais parler au bâtard. Horson Jr., not you. Bernie, Dusty, this one's looking for the boss. You have your orders. Je pense que ils veulent me péter la gueule. Le gars a l'air un peu relou au niveau des rencontres, parce que. Ça fait quand même deux fois qu'on se retrouve dans des bastons générales juste à cause de ça. J'ai toujours une décoction du griffon. Hein. La décoction du griffon, de ce que j'ai compris, elle fait en sorte que à chaque fois que je prends des dégâts, ma force d'attaque augmente. Parce que tel un griffon, vous comprenez. Ouais, c'était pas du tout ça que je voulais faire, mais. En fait, c'était du feu. Bon, je commence à reprendre. Vaguement les habitudes. Et brûle. Et donc du coup on pourra pas acheter de la drogue. C'est un danseur Geralt, hein. Tout se joue dans l'esquive. On attaque rarement par devant. Et mon épée commence à être cassée, ce qui est chiant. Alors, trouver un moyen d'entrer dans la planque, éliminer les hommes du petit bâtard. Éliminer les hommes du petit bâtard, ok. Je pense qu'il faut aller buter des gens en haut aussi. Je sais pas. Tu reprends bien le coup de main bas au bout d'un moment, ouais. Mais bon, c'est pas. Ok, le changement de type de déplacement. En fait, le truc c'est qu'il faut taper et reculer tout le temps. Et être prêt à esquiver à chaque fois. Ouh, y'a un bras qui a volé là. Plus personne. Plus personne à cet étage. Alors. Je ne sais pas où je vais. Ah voilà. Je ne retrouvais plus là. Ah, je suis surchargé. Je me disais je peux pas courir. Surchargé. Je dois avoir 12 milliards d'épées aussi. Oh, celle-ci elle est vachement plus efficace que la mienne. Mais alors, est-ce que j'ai un kit de réparation d'épée? Kit de réparation d'armes. Est-ce que maintenant elle est toujours plus efficace? Oui, elle est toujours plus efficace. C'est du attaque-esquive en permanence, mais tu peux parer. Oui, mais
quand tu pars, du coup, ça te stoppe pendant une seconde. Donc, du coup, tu y perds quand tu pars. Tu y perds quand tu pars. Tu comprends? Ça me ferait chier de les jeter parce que, en fait, elles valent pas mal d'argent, toutes ces merdes. Mais bon, je vais m'en débarrasser d'une. Maintenant, il y a un truc pour trier les objets par poids, je crois. Sauf qu'il te dit pas par quoi il les trie. 2,36. Ouais. Si, bon. Alors, du coup, maintenir comparé, on s'en bat les couilles. R, lâcher. Non, je viens de lâcher mon épée. Putain. Elle est où? Merde. Elle est où mon épée maintenant? Voilà. Voilà, c'est mieux. Lâcher. Alors je suis en surcharge là ou pas? J'ai le jeu qui ne bouge plus. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Il veut plus que je suis plus dedans. Là en fait je suis sorti, je suis sur une autre fenêtre. C'est très chelou. C'est très chelou. Et qu'est-ce qu'il me fait là? En plus, je sais pas où est-ce qu'il a sauvegardé pour la dernière fois, lui. Ah, a priori, quand je suis rentré dans le truc. Mais bon, c'est chiant. Pourquoi il me fait ça? Même Alt F4, ça marche pas. Bon, ben, fermer la fenêtre, je sais pas. Fin de tâche, tant pis. J'ai pas les derniers patchs en même temps. Je l'ai lancé tel quel, brut. Sans me poser de questions. Et ben on le relance. Désolé pour ce contretemps. C'est vrai que l'incrustation est pas mal. J'aime bien. Alors, est-ce qu'il a compris où était le jeu? J'ai pas l'impression. Si, c'est bon. Voilà. Continuer. Où est-ce qu'il va reprendre? Alors, c'est bien parce qu'il y a un petit résumé. An oniromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. J'en profite, je réponds à un message, hein, le temps que ça charge. Alors. Il paraît, oui, que les derniers. Mais surtout, j'aimerais bien le DLC, etc. En fait, je peux pas trop installer les derniers patchs parce que j'attends les soldes Steam. Réexpliquer pourquoi je peux pas trop installer les derniers patchs. C'était pas celui-là que je voulais. Je dis aussi qu'il était long. En fait tu pars pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste que tu fais une esquive et une contre-attaque. Il n'y a pas vraiment de parade. C'était Igni que je voulais. Est-ce que je peux l'avoir? Hop, Igni. Brûle. Je me mange tout dans la face. Mais le jeu est hyper punitif quand on essaie d'y aller comme un bourrin, hein. Tu vois bien que je peux pas y aller direct comme ça. Si je fonce et que je mitraille, c'est moi qui prends cher, quoi. Dès que je prends un coup d'épée, je perds énormément de vie. Donc, hey, Angelus, bienvenue dans les followers de cette chaîne. Que tu me followais déjà, mais c'est vrai que tu n'es jamais passé sur les lives. Mais oui, donc comme je disais, le jeu est chiant parce que la touche pour utiliser l'objet est juste à côté de la touche du bestiaire. Mais le jeu est hyper punitif parce que dès que tu te fais toucher, tu prends cher. Et donc du coup, c'est vraiment fait pour que tu y ailles pas comme un bourrin, c'est-à-dire pas comme je fais là, mais que tu
Si elle est tranquille et que tu esquives et que tu contre-attaques. Bon là c'est chiant parce qu'on voit rien. Pourquoi je m'emmerde? Vas-y, va crever. Je vais m'occuper de ton pote. Après t'as des attaques puissantes qui sont censées oula, déstabiliser l'adversaire et le couper en deux. C'est ça la recherche du petit bâtard. Alors le truc c'est que ça faisait 3-4 mois que j'avais pas joué. Et je me suis retrouvé dans le repère du petit bâtard à devoir pas celui-là, hein, celui qui est sous terre, à devoir me battre contre tout le monde juste en rechargeant la sauvegarde. Je m'étais arrêté en laissant ça en plan. Et du coup j'ai pas trop compris. Et je t'avoue que la recherche du petit bâtard, j'arrive pas trop à resituer pourquoi je le recherche. Puisque j'ai pas joué depuis un moment et que l'énoncé de la quête est pas non plus super évident sur à quoi ça sert. Je prends un peu toute la merde, je devrais pas parce que tout à l'heure je me suis retrouvé en surcharge comme un con. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans la pipe, je peux la prendre. Une petite prune? Des petites myrtilles? La petite myrtille. Bonjour. C'est un escalier, n'aie pas peur. C'est bon. Oui, je sais que c'est pour retrouver Siri, mais je sais plus qu'est-ce qui m'a amené. Je crois que... Non, je sais plus, je me souviens qu'il y avait une meuf genre médium. Oula, il a plus de tête lui. Genre médium qui lisait dans ses rêves ou je sais pas, dans les rêves, etc. Et il y avait cette histoire là. Et après, je me souviens pas qu'est-ce qui se passe ensuite pour t'amener à rechercher le petit bâtard. J'ai pas le souvenir. Ouais, ça pourquoi pas. Faire un peu le tri parce que si je me mets à prendre toutes les masses, surtout les masses qui ont une masse importante. Lol. Je me souviens plus du bouton de la sauvegarde rapide. C'est chiant parce que. Étant donné que je suis un peu naze, j'aime bien sauvegarder souvent. Salut les mecs, ça va? J'aime bien sauvegarder souvent parce que voilà. Petite méditation, ça vous dit? On va méditer pendant 24 heures. J'aime bien. Surtout là qu'on est juste à côté des types, c'est beaucoup plus drôle quoi. Genre là. Oh bah, tiens, dis donc. Bonjour. Come on. Aïe! Je me suis trompé de touche! C'est pas le métamorphe qui était prisonnier. Non, ça me dit rien, c'est un métamorphe prisonnier. Ouh, d'accord. Je pensais que c'était ça enflammé. C'est pas du tout ça que je voulais faire en fait, je voulais faire ça. Aïe, mais je me suis mangé moi-même ma bombe là. Comme un boulet. Donc ça c'est bon, c'est fait. Liste de débuteurs, oui, pourquoi pas. Rasoir. Plein de petites merdes à vendre, les rasoirs. Ça me dit rien du tout, une histoire de... De métamorphe. Feed your half to death. Hey, can you hear me? You alive? Ça va me revenir au fur et à mesure. Finish me. Don't intend to. Who the hell are you? Heard screaming downstairs. Oh, rien, right, je suis arrivé, j'ai pété la gueule à tout le monde, ça me fait plaisir. Will you help me? Oui, d'abord parlons un peu. Qui êtes-vous? What's your name? Rico.
Rico Mayersdorf. Why are you here? What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and Tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Je sais plus yeah. Qui c'est Bedlam, so what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Restez encore un peu. Don't trust you an inch. Told you all I know. I swear. You'll have to stay a bit longer. No, please. Think about it. It's not too late, hear me? Ouais. J'aime bien le mec qui remet ses... Est-ce que du coup... Ah, j'hésite. Ah, je le laisse aller. Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you help me. See him. He's sure to reward you. Ouais, je vais le laisser partir. Les mecs, dès que j'arrive, ils me pètent la gueule. Donc, disons que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Dans le genre. Je sais pas trop. Bon, est-ce que je peux pas foutre mes... Attends, il y a une porte. En train de ramasser plein de trucs. Hop. Il y a d'autres trucs. Ouais, il y a d'autres trucs. Bon, faut que je m'occupe de l'épée. Faut que je m'occupe de jeter quelques merdes. Parce que là, j'aurai pas le temps d'aller revendre, je pense. Ah. Ouais, bon. Allez. On va aller les revendre. On va récupérer tout, on va aller les revendre. S'il y a un truc pour revendre pas loin, hein. Un marchand, une connerie. Sinon, on jette tout dehors et tant pis. Y'a rien là ? Ah, mais si, y'a plein de trucs là-bas. Y compris. Ah, d'accord. Je me disais c'est un truc chelou, mais en fait c'est juste que ça met une main quand tu peux ramasser des trucs. Y'a rien d'autre là? Non, y'a rien d'autre. Je suis pas sûr que ça m'accélère de sauter. Ouais, alors la planque, j'ai toujours pas trouvé où c'était. Par contre, y'a un marchand juste à côté, j'ai bien fait de tout garder. Le cheval, Ablette. Ablette, dépêche-toi, t'es en train de te coincer dans les murs là. Ablette. Et qu'est-ce que tu fous, Ablette? Allez, allez, Ablette. Je serais déjà arrivé au marchand là. D'ailleurs, tu seras à rien, tu m'énerves. Il est juste là, le marchand, ça sert à rien. C'est toi le marchand? Non, ça s'inspire du petit bâtard, bien ce que je me disais. C'est un nain. Mais il est où le marchand alors? Il est dedans? Il est dedans. Bonjour monsieur le marchand. Vous êtes un peu loin de votre étal usurier. T'es vachement loin, pourquoi je peux pas te parler? Hello there. Horny old boy. Alors, une partie de cartes, ça le temps? Non. Montrez-moi la marchandise. Show me what you have in stock. Alors, on rend un peu des merdes. Enfin, des merdes. Des trucs qui me servent à rien. Ça, par exemple, ça me sert à rien. Ça, 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 ça me sert. Ça, ça me sert à rien. 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 Ça, ça me sert. Ça, ça me sert à rien. Ça, ça me sert à rien. À rien. À rien. À rien. À rien. À rien. À rien.
Alors celle-là je la garde parce qu'elle est cool. La chemise je la garde parce que c'est classe d'avoir une chemise. Celle-là il faut que je l'utilise, l'épée. Alors je peux pas l'équiper. Je viens de la vendre. Putain. Au revoir. Ça va. Il faut vous acheter un pantalon, monsieur. Hein. celle-là, on peut la tège. Et on va récupérer celle-ci. Hop. Et du coup, on va vendre celle-là. Hello there. Pawning or buying. Prends-moi les marchandises. Show me what you have in stock. Mais quand même bien, bien mieux, là. Je garde la hachette parce que ça peut servir si un jour j'ai besoin d'une arme lourde. Et qu'est-ce qu'il a d'autre à vendre? Des florins? Il les vend pour combien? 4000? J'ai combien sur moi? 5000? Alors, disons que ça vaut le coup en théorie parce que je peux les échanger et du coup je récupère de l'argent, mais ça vaut pas tant le coup que ça. Donc, enfin, je me souviens plus honnêtement et ça me casse les couilles. Casse les couilles de me débarrasser d'argent alors que je pourrais le garder. Je veux rien vendre dans les trucs d'artisanat et tout parce que faudrait que je me refasse une. Faudrait que je me fasse une petite session de d'artisanat, voire pour me rappeler un peu. On peut construire ses armes, je trouve ça génial. On peut faire tellement de trucs dans ce jeu. Alors, je vais essayer. Non, c'est pas du tout par là. Je vais essayer de. À nouveau, de trouver l'entrée dont il parle. Trouver l'entrée de la planque à l'aide de vos sens de sorceleur. Parce que je vois qu'il y a un truc qui monte ici. Non, ça sert à rien. Je pense qu'il faut que je me retrouve en hauteur. Parce que dans la lettre du gars ou je sais pas quoi là, il parlait d'être en hauteur. Mais c'est peut-être ça, hein, mais... Ah non, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. Mais je sais pas, parce que là, il me montre le truc comme si c'était un truc de ouf. Avec la pancarte. Bon, la pancarte, ça veut peut-être rien dire, mais... Je sais même pas ce que je cherche, en fait. C'est ça qui est énervant. Il y a ce truc là-haut. Alors. J'ai l'impression qu'il faut vraiment être là-haut en hauteur, mais... Genre, vous voyez, il y a des trucs là-haut. Ben, j'ai l'impression que c'est là qu'il faut être. Je sais pas comment y aller. Du tout. C'est pas là. Non, c'est pas là. Ta gueule. Là, c'est verrouillé, verrouillé. Hein. Elle est ouverte. Ouvrable cette porte? Non, c'est verrouillé aussi. Là, il y a une porte. Mais. Une fois que je suis là, voilà quoi. Y a rien ici, à part un sac de merde que je vais pas prendre. Il m'a fait peur. Ah, attendez. Non, c'est des affiches. C'était des fenêtres. Ça va être verrouillé. Ça me fait chier de tout verrouiller. Je vois pas du tout par où on rentre ici. Hein. Un truc là. Andrew, si toi tu l'as déjà fait, je ne suis pas contre un coup de main si tu te souviens de ce dont ça parle. Ce dont ça parle, c'est dans le coin, mais où? Par là? Là ça monte, tiens. Mais cette porte est verrouillée également. Ça me casse les couilles. L'introuvable. Encore ça. Je peux passer par-dessus là ou pas? Oui, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. Et là, il y a encore marqué l'introuvable. Auberge introuvable. Est-ce que du coup, en rentrant dans l'auberge, peut-être qu'on peut passer par l'intérieur de l'auberge? Mais il m'est verrouillé. Bonne soirée, Steph Core. De toute façon, je... Quelle heure il est? 22h19?
22h19, je vais pas tarder non plus, hein. J'avais dit 22h30, bon, on va dire 23h grand max, quoi. Je monte là, je ne sais pas pourquoi. Généralement, c'est vers le centre du cercle, tu me dis, mais là, j'ai pas. Je t'avoue que j'ai regardé un peu partout dans le cercle, j'ai pas trouvé. Par contre, là, on monte en hauteur. Forcément, vu qu'on monte, il n'y a rien du tout en fait ici. Ça servait à rien. Je vois pas de. Je vais arrêter d'utiliser la vue du sorceleur alors qu'elle sert à rien. Je vais choper la gerbe. Alors, je vais te montrer un peu en fait. Où est-ce qu'on est ? Au centre du cercle. Non, ça y est, je viens de capter comment faire. En fait, au centre du cercle, bah, tu vois, les sens de sorceleur, ils font rien quoi. Je peux allumer ce truc là à la limite. Voilà, c'est magique. Je peux pas le faire, j'y arrive pas. Par contre, là, ce que je viens de voir, c'est que il y a une auberge là-bas qui est ouverte, vu que c'est une auberge. Et qui a un pont, en fait, qui va à la maison d'à côté. Je vais tomber de comme une merde. Il y a un pont qui va à la maison d'à côté. Qui va à la maison d'à côté. Et cette auberge est verrouillée, putain. Ah, là par contre, généralement c'est un symbole de porte ouverte. Mais c'est pas l'endroit d'où je viens. Si, c'est l'endroit où j'étais il y a 2 secondes. Putain, je ne comprends pas. Pardon. Pardon, monsieur. Ça aussi, c'est verrouillé. Toutes les portes sont verrouillées. Elle est classe cette porte, mais elle est verrouillée. Tiens, parce que j'ai l'impression que. Ouais, tu me diras si ça c'est le pont entre les deux, ça sert à rien, c'est de la merde. Le centre du cercle, il est là. Et là, je vois rien. Y'a rien à faire. Et il me dit avec les sens de sorceleur, mais je. En dessous. En plus, je comprends pas trop pourquoi il me met le rond ici alors qu'il me dit d'aller par là-bas. Je vais suivre le. Ah putain, mais c'est con ce truc! J'avais l'impression que c'était en haut, en fait c'est en bas. Je pense que je vais passer par. Par YouTube la prochaine fois parce que YouTube. Rame moins que Twitch quand même. Donc je pense que je passerai par YouTube. C'est comme s'il y avait un truc que j'aimais bien sur Twitch, c'était tout ce qui était les petites les petits trucs quand les gens suivent, les petites animations, etc. Comme t'as eu quand toi tu as suivi. Et ben voilà. Pourquoi je en fait je galère depuis tout à l'heure. Parce que je cherche en haut alors qu'en fait c'était en bas. C'était au milieu de la planque, là où était la planque. Des poudres alchimiques, de l'eau, des poudres alchimiques. Des fioles. Une épée. Qui a l'air vraiment propre. Dans le sens cool. Vu son nom, elle a l'air cool. Pâte alchimique. Et là. Trois merdes, désolé. Je m'attendais à plus. Hein. C'est un peu la salle du trésor. Voilà, voyons voir cette épée. Ma connexion wifi n'est pas folle non plus. Ouais, mais c'est un peu dommage que dès que. Ah, c'est con, elle est moins efficace que mon épée. Elle est belle. Hein. J'aime beaucoup. Mais bon, elle a plus de chances de dégâts critiques. Mais elle est quand même vachement moins bonne. Peut-être si j'ai des runes qui augmentent. Non, c'est des intensités de signes. J'ai pas de trucs qui augmentent les dégâts. Pour améliorer ses caractéristiques, il met 0 dégâts. Ah bah, si ça améliore de 0 dégâts, je vois pas trop l'intérêt quoi. Ouais, je sais pas. Bon, et bah, ça c'est fait déjà. Alors, lisez les lettres mystérieuses. Et là-dedans, je pense. Note d'espion. Pas sûr que ce soit ça. C'était un truc qui s'appelait Lettre mystérieuse, vraiment. Donc, c'est celle-ci.
Au petit bâtard, Sa Majesté mécontente, vous deviez éliminer les membres de votre quatuor. Pourtant, ils sont toujours bien en vie et un corps connaissent votre rôle dans l'affaire. Ce n'est pas ce que nous avions convenu pour le moment. Cachez-vous à l'endroit que vous indiquera le porteur de cette lettre et n'en sortez sous aucun prétexte. Sa Majesté espère que l'animosité mutuelle qui existe. Donc en plus, ça ne dit pas où est-ce qu'il est. Donc c'est chiant. Il faut vraiment que j'aille parler au gars. Je ne veux pas du tout au bon endroit. C'est ici. Alors. Bon, après, si tout le monde se casse, à 22h30, j'arrête. Hein. Il est 25. En fait, j'aimerais bien terminer la quête avant d'arrêter. La quéquette. L'humour. J'aime l'humour. C'est loin? C'est un peu loin. Ablette, bouge-toi. Ablette. Ablette. Ablette, elle est derrière la grille. Qu'est-ce que tu fais, Ablette? T'es derrière la grille qui maintenant est verrouillée. Putain, c'est trop con, Ablette. Ah, qu'est-ce que t'es con, Ablette. Faudra que je m'éloigne un peu plus. Ah, Bablette, t'as réussi à sortir. Oh. Hop, pardon, excusez-moi, messieurs, dames, je... Voilà, je saute sur vous. Et finalement, je suis arrivé, donc ça servait à rien. Je suis arrivé ou pas? Mais non, pas du tout. Pourquoi il me chie sur la tête au niveau du GPS? Ablette, ton GPS, il est nul, hein. C'est vrai que c'est un peu loin quand même, j'ai bien fait de prendre la blette. Je crois que je ne vais pas au bon endroit. C'est pas faux. Ablette, tu veux sauter ou pas? Tu veux sauter ou pas, Ablette? Elle veut pas sauter. Si en fait c'est au bon endroit. À moins que ce soit encore un truc où c'est en dessous, quoi. Oui, c'est en dessous. Ouais. Ok. Excusez-moi. Il s'est passé à Ablette. Hop. Pardon, monsieur le garde qui dort. Je suis désolé. Pardon. 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 Oui, je rentre un cheval. Pardon. Hop. Ah, je me souviens d'ici. En fait, je me souviens vaguement. Voilà, donc en fait, c'est lui qui m'a dit ouais, va voir ça, machin et tout. Mais je me souviens plus exactement qui c'est. Mais je sais plus pourquoi il cherche le petit bâtard, lui. Mais c'est le gars qui est dans The Witcher 2, je crois. Il y a une histoire comme ça. Comme j'ai pas fait The Witcher 1 ou 2, je ne sais pas trop, mais je sais que c'est ça. Alors, je le tiens de source sûre. De quoi tu parles? Tu as passé ta vie à savoir. De quoi tu parles? T'as passé ta vie à savoir. My sympathies have now to do with this. Horson wiped his ass with our agreement. That's betrayal, regardless of his current allegiance. Okay. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Enlighten me. Temerian. Former commander of the Blue Stripes. Ring a bell? Vernon Roach. He's holed up with his men in a camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up at least. C'est pas à côté. C'est pas à côté. Des boobs. Elles sont où les meufs seins nus? Je veux des meufs seins nus sur ce stream avant de sortir. Non, y'a que des mecs. Là-bas peut-être? Mais montrez vos seins! Mais on est sur un stream pour adultes! C'est marqué! Quand on veut regarder, il y a marqué. Mais dis donc, c'est un stream pour adultes! C'est des seins, ça! Voilà, c'est sur cette paire de seins qu'on va se quitter. Je vais arrêter le stream ici parce que je m'étais dit 22h30. Il est 22h30 et on est à un niveau de la quête où, si j'arrive à afficher la map,
On est à un niveau de la quête où le prochain objectif, il est loin. Je sais même pas comment on l'affiche, mais il est loin. Trouver la position actuelle. Non, mais ça, je sais. Voilà. C'est ça la quête. Voilà, alors elle est là la quête. Elle est ici. Nous, on est là. C'est un peu loin, même s'il y a des trucs de voyage rapide. Hein. Mais c'est pas à côté. Je me dis, tant qu'à faire, autant s'arrêter là. Sur cette paire de seins d'une citoyenne qui nous dit salutations, vos yeux, ils sont étranges. Pour vous montrer, ils sont étranges. Eh bien, on va se quitter là. Alors, je vais repasser en mode je regarde mon écran. Oh, waouh! Un écran avec des petits trucs, des machins, là, des fenêtres. C'est vraiment trop bien. Et je vous remercie d'avoir regardé ce live pour ceux qui sont restés. Alors, je ne sais pas qui est resté parce qu'apparemment, tout le monde a des configs internet où ça passe pas à Twitch. Donc, je passerai sur YouTube la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à plus, bye bye, comme dirait l'autre. Salut.